tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois les convives. Je reçois mes quatre petites princesses. Je suis hyper contente, franchement. Cette semaine culinaire, elle a été magnifique. On a vraiment voyagé. On a fait le Congo, on a fait le Maroc et on a fait l'Algérie. Aujourd'hui, on va faire les Antilles. Je suis absolument pas stressée. C'est vrai que voilà, moi, je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie, très ordonnée, tout ça. Donc, hier jusqu'à 3h du matin, j'ai été en cuisine. Aujourd'hui, depuis 7h, je suis en cuisine. Mais voilà, j'ai vraiment envie de leur faire plaisir. Elles m'ont reçue comme des princesses, vraiment. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va dîner chez Sephora, comme vous le savez, donc direction la Guadeloupe. Donc pareil, je vais jouer le jeu à fond. Donc là, mes cheveux, les filles, hier, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, j'étais dégoûtée. Franchement, je voulais trop y aller, mais franchement, de déposer Isaac chez ma belle-mère, faire les allers-retours et tout, c'était trop compliqué. Donc là, ça va, j'ai anticipé, donc je vais aller chez le coiffeur. Donc je vais me laver les cheveux, je vais faire des grosses boucles. Vraiment, voilà, j'ai envie d'être dans le thème. Donc là, je vais aller, c'est ce que je vais aller faire au niveau de mes cheveux. Et j'ai une fille sur Snap qui m'a prêté une tenue avec du tissu madras. Alors, je vais vous montrer la tenue, elle est magnifique, je vais la repasser. Je vais la mettre, mais c'est une magnifique robe. Oh là 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 là. Oh, elle est sublime. Alors, regardez-moi ça. Waouh, avec le bandeau qui va avec et tout. Alors, regardez. On a la robe comme ça, bien cintrée et tout. Ah, ça va faire super beau. Avec, là, on a la ceinture que vous allez mettre autour comme ça. Oh là là, je vais faire un super beau nœud derrière. Et le petit foulard. Donc, je vais faire des boucles et je vais mettre le foulard comme ça dans mes cheveux. Ah ouais, là, franchement, je vais représenter les Antilles. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Là, il y a une traîne qui va avec, mais je vais pas la mettre là. Les filles, avant de sortir, je vais vous partager, ça fait hyper longtemps, un code Bayam. Vous savez, les filles, c'est les produits intérieurs que je vous recommande H24. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, même si c'est très, très, très connu maintenant. Donc, ça, c'est un brûleur. Donc, vraiment, c'est un des plus beaux brûleurs que j'ai à la maison. Donc, c'est le brûleur Arche. Il est hyper qualitatif. Ce que vous allez venir faire ici, en fait, c'est avec les élixirs de chez Bayam. Donc, les brûleurs aussi viennent de chez Bayam. Vous allez mettre une petite pipette à l'intérieur. Vous allez mettre votre petite bougie juste derrière. Voilà. Et ça va diffuser une odeur avec l'élixir de votre choix. Bien évidemment, il y a plein d'odeurs. Moi, je vais vous faire mon top 3. Et l'odeur, quand je vous dis qu'il va se diffuser dans l'air de votre appartement ou de votre maison, c'est incroyable. Vraiment, les odeurs, elles sont très concentrées. Ça, vraiment, c'est le petit truc. C'est la petite touche finale après le ménage. C'est vraiment le truc à avoir. Donc, vous pouvez aussi les combiner avec les sprays textiles. Donc, c'est des sprays que vous allez venir mettre comme ça sur vos rideaux, que vous allez venir mettre sur vos canapés, sur vos tapis, sur vos draps, sur vos coussins. Vraiment, ça se met sur tous les textiles et même dans les voitures. Moi, je mets souvent ça, je vous le dis souvent, dans les voitures de véhicules à Jamal. Et vraiment, ses clients lui font que des compliments parce que les odeurs, elles sont incroyables et elles tiennent. Donc, c'est deux choses différentes. Ça, c'est vraiment les sprays textiles. Et ça, c'est vraiment pour se diffuser dans l'air, mais c'est complémentaire. Moi, mon top 3, les filles, je vais vous le faire en termes d'odeur. Je vais vous mettre tous les retours aussi que je reçois par rapport à Bayam. Niveau rapport qualité-prix, les filles, ça va vous durer extrêmement longtemps. Les petites élixirs et même les sprays textiles, vraiment, vous en aurez pour votre argent. Mais c'est surtout, les filles, je vous parle, c'est la qualité des produits. Vraiment, c'est vraiment des produits hyper qualitatifs et des odeurs que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Malgré qu'il y a des odeurs qu'on peut connaître comme la fleur d'oranger, etc. C'est vraiment la fleur d'oranger, mais un peu plus luxueuse. Vraiment, ça va apporter une petite touche en plus. Donc moi, je vais vous faire vraiment mon top 3 et là, je vais avoir une offre hyper avantageuse. Alors mon top 3, les filles, en termes d'odeur, moi, mon numéro 1 que je vous dis H24, c'est la fleur d'oranger. Vraiment, quand je vous dis, les filles, les élixirs et les sprays textiles de chez Bayam à la fleur d'oranger, c'est quelque chose. Vraiment, là, vous, moi, je trouve ça me fait penser à Marrakech, ça me fait penser dans les spas, dans les hammams et tout. Mais vraiment, quand vous ramenez ça chez vous, mais c'est une odeur un peu plus concentrée et ça va vraiment tenir la fleur d'oranger de chez Bayam. C'est la première odeur que j'ai sentie il y a peut-être un an et demi. Et vraiment, c'est la première odeur et c'est mon odeur préférée. Vraiment, c'est celle que je mets en numéro 1. Donc, c'est celle que je vous recommande en numéro 1 d'acheter, que ça soit en spray textile ou en élixir.
Alors, ma deuxième odeur préférée, après, comme je vous dis, les filles, moi, c'est vraiment mon petit top que je me suis créé. Vous avez plusieurs odeurs sur le site Bayam. Moi, je vais vous mettre une liste où il y a écrit les favoris de Youssoussa. Vous allez pouvoir retrouver toutes les odeurs que j'ai à la maison. Mais vous avez cannelle ambrée, vous avez barba papa, vous avez à la cannelle. Vraiment, les filles, vous avez monoï vanille, vous avez douce sorte de linge qui sent vraiment super bon la lessive. Franchement, vous avez énormément de choix en termes d'odeur. Mais moi, mon top 1, c'est le fleur d'oranger et le musc blanc. Voilà, le musc blanc, c'est connu, ça sent super bon. C'est une odeur qui sent le propre, tout simplement. Donc, pareil, que ça soit en élixir ou en spray, c'est vraiment une odeur que je vous recommande. Donc, après, les filles, vous avez plein de choix, même en termes de brûleur. Vous en avez beaucoup plus minimaliste. Vous avez le bubble. Moi, enfin, j'ai plusieurs brûleurs à la maison. Celui-là, ça reste un de mes préférés parce que je le trouve vraiment beau. Ça fait un 2 en 1 parce que ça fait un accessoire de déco aussi. Parce qu'il va très bien avec mes tables en travertin. Mais vraiment, vraiment, les filles, vous avez pour tous les goûts. Donc là, l'offre du jour, les filles, c'est que vous allez avoir moins 20% sur tout le site, donc sans minimum d'achat. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter, vous avez moins 20%. Et à partir de 60€ d'achat, les filles, vous avez une élixir barba papa offert. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc vous avez une petite élixir qui sent vraiment le sucre, les bonbons, la barba papa, qui va vous être offert. Donc ça, c'est à partir de 60€ d'achat. Sinon, les filles, vous avez moins 20% sur tout le site sans minimum d'achat. Donc, pour celles qui connaissent, c'est le moment de faire vos stocks. Je vais vous mettre tous les retours que j'ai et que je reçois au quotidien. Et à celles qui ne connaissent pas, vraiment foncez et commencez par le fleur d'oranger. Vous n'allez pas le regretter. Ça y est, les filles, j'ai déposé Isaac chez ma belle-mère. Allez, go! Ah, la porte, merde! Oh, oublie. Bon, là c'est bon, j'ai déposé Isaac chez ma belle-mère. Je vous jure, c'est dur, hein. C'est dur parce que moi, vous savez, je suis tout le temps avec Isaac. Je laisse jamais mon fils, mais ma belle-mère, je lui fais vraiment confiance. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Moi, vous savez, j'ai personne d'autre sur Paris. Je suis toute seule, vraiment, je suis toute seule. J'ai que ma belle-mère, donc alhamdoulilah. Je sais qu'il est en très bonne main et qu'il s'amuse avec elle. Enfin, moi, ma belle-mère, faut savoir. Jamais elle faisait quoi? C'était quoi le métier de ta mère à la base? Assistante maternelle. Elle était assistante maternelle, ma belle-mère. Donc, les enfants, déjà qu'elle a eu beaucoup d'enfants, mais les enfants, c'est vraiment quelque chose. C'était son travail, quoi. Elle était assistante maternelle. Et les enfants, ça défilait à l'époque dans sa maison. Donc c'est pour ça que voilà, je sais que même elle lui apprend des choses, c'est très ludique. Elle a plein. Tout ce qui lui restait avant de quand elle était assistante maternelle, tous les jouets et tout, elle a tout encore dans son garage. Donc je suis tranquille, voilà. Donc les filles, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez que ce week-end il y a le festiculture de la Turquie. Donc faut savoir que mes parents, Inch'Allah, ils vont venir ce week-end à Paris. Donc je suis trop contente. Mon père, il va revenir, ma mère, elle va revenir. Donc on va passer tout le week-end ensemble. Et samedi, ils vont venir avec nous au festiculture. Nous, on aime trop, mon père, il adore la Turquie, il adore la nourriture turque. Et je sais que la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc, vous savez quoi, les filles? Je vais vous faire gagner 25 places pour le Festiculture. Donc, par contre, pas obligé que ce soit celui de Paris. C'est soit celui de Strasbourg, soit celui de Paris, soit celui de Lyon. Donc, les filles, vous choisirez le Festiculture que vous voulez. Donc, on va faire le jeu concours sur Instagram. Je vais vous mettre un post et je vais tirer au sort ce soir, les filles, quand je rentre du tournage. Je vous fais le tirage au sort. Je tirerai 25 places. 25 gagnantes pour le Festiculture. Et sinon, les filles, vous avez un code promo pour acheter vos places, que ce soit pareil, comme je vous ai dit, pour Strasbourg, Lyon ou Paris. Donc profitez-en, parce que franchement, c'est trop bien le Festiculture. Vous avez toute la culture turque, les filles, sur toute une journée, des animations pour les enfants, pour vous, la nourriture, vraiment la nourriture turque. Vous avez tout, le shopping, vraiment, vous avez tout. Vous avez tout pour voir. Donc pour celles qui souhaitent réserver en famille ou autre, profitez du code promo, franchement ça vaut grave le coup. Vous avez les places avec une réduction qui est appliquée. Donc je vous mets le code, je vous mets le lien de la billetterie et je vous poste le jeu concours sur Instagram. Comme ça, celles qui veulent gagner des places pour Festiculture, let's go. Vous l'avez tant demandé, le Festiculture revient avec 3 éditions exceptionnelles sur Strasbourg, Paris et Lyon. Festiculture, c'est le plus grand salon européen dédié à la Turquie avec des...
centaines de marques et des milliers de produits. Venez découvrir des stands shopping, art, santé et des spécialités de la cuisine anatolienne préparées spécialement par des commerçants venus tout droit de Turquie et de toute l'Europe. Festiculture, c'est aussi une aire de jeu pour les enfants, des animations sur scène et l'occasion de rencontrer les figures emblématiques de la télévision turque. Venez, voyez et vivez la Turquie autrement au Festiculture. Du 1er au 3 novembre à Strasbourg au Parc des Expositions, du 9 au 11 novembre à Paris Villepinte et du 21 au 23 décembre à Lyon Eurexpo. Les filles, j'ai pas eu le temps de faire des boucles comme je voulais au boucleur, donc il m'a fait un brushing ondulé, mais bon, ça fera joli aussi. Vraiment, j'avais vraiment pas le temps parce que là je suis en retard alors que je suis jamais en retard. C'est parti, en plus j'ai faim, donc là ça tombe vraiment bien. Alors vous kiffez matinée ou pas les filles? Les filles, je vous montre mon petit outfit à moi et Loan. Magnifique, hein. Quel canon. Vous savez, Loan, vous pensez à qui? Jennifer Lopez. Ah oui, Jennifer Lopez. C'est une bombe. C'est parti, Loan, elle me fait des boucles avec le Golden Curl. La base, les filles. J'ai eu un cadeau pour Isaac de la part de Samy. Franchement, merci. C'est trop, trop beau. Je vais vous montrer ce qu'il a pris. C'est trop chou. Les filles, il lui a pris un ensemble comme ça de jogging. Il est pas trop beau en gris. Avec la peluche Lacoste. Non, mais franchement, trop cute. Quand je lui ferai sa chambre, je mettrai tous les petits cadeaux que tout le monde lui a achetés. Avec un mini sac de sport Lacoste. Non, mais il est trop chou. Where are you? Les filles, direction Pointe-à-Pitre. En plus, on est en business class. Je vais présenter ma table et tout. Oui. Franchement, les filles, le repas de ce soir, c'est une dinguerie. Sephora, quand je vous dis qu'elle a mis la barre haute, elle a mis la barre là. Moi, j'ai ça pour tout le monde, frère. Les filles, ça y est, fin de tournage. Franchement, j'ai kiffé ma semaine. Demain, c'est le dernier jour. Demain, ça va être chez Loan. Et ensuite, ça sera la finale. Donc, on va savoir qui est la grande gagnante. Bien évidemment, les filles, on ne vous dira pas. Vous allez tout découvrir sur YouTube. Moi, je vais me coucher tôt ce soir, les filles. Parce que demain, je vais me lever très tôt. Parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on termine tard, moi, j'en profite pour dormir le matin, rester avec Isaac et tout. Demain Isaac va rester avec moi le matin, mais je vais me réveiller tôt et je vais aller acheter des petits cadeaux parce que franchement, déjà j'ai envie de leur faire plaisir et même les filles elles méritent trop, elles se sont tellement données, elles se sont tellement investies pour leur communauté et aussi pour me faire plaisir. Donc je sais pas encore ce que je vais leur prendre, mais j'ai vraiment envie de leur acheter un truc symbolique. Donc demain matin je vais me lever pour faire ça et après on va enchaîner directement avec le repas de Loan.
Barcelone et la finale. Donc j'ai vraiment hâte d'être à demain les filles. Donc je vous dis bonne nuit et je vous fais plein de gros bisous. Je fume, c'est toujours les mêmes scénarios. Cagoule et gagne 9-4 sud de Paris. Juste 1 million et je te jure c'est carré. Juste 10 millions et je te jure c'est carré. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de vous avoir rencontrées toutes. Franchement, vous êtes toutes différentes, mais vous avez toutes, vous êtes vraiment toutes des filles très très bien, machallah. Cardi, vous sera s'il vous plaît magnifique dans le thème Guadeloupe. En fait, je suis fan, merci. Vraiment. Et en fait, je la présente plus. Vas-y, montre-nous debout, s'il te plaît. Cardi, vous sera s'il vous plaît magnifique